Salut la communauté YouTube, petite introduction très rapide avant de te diffuser mon combat de la demi-finale de la Lutte Academy parce que j'ai quelques précisions à te faire pour faciliter la compréhension. Lors de mon premier passage à la Lutte Academy, j'ai réussi à me qualifier pour passer en demi-finale. Et dans le combat que tu vas visionner dans cette vidéo, c'est un combat 3 contre 3 et seulement 2 catcheurs vont être qualifiés pour passer en finale. Et évidemment, je ne vais pas te spoiler les résultats dans l'intro de la vidéo et d'ailleurs, si tu veux regarder mes passages de la Lutte Academy dans l'ordre, il y a une fiche qui va apparaître en haut à droite de l'écran si jamais ça t'intéresse de voir mon premier passage lors de la première ronde. Et ensuite on a la demi-finale qui est dans cette vidéo et après à la fin du combat on va se retrouver pour un petit briefing pour te partager mes impressions et aussi pour savoir si je passe en finale ou pas. Donc je vais te souhaiter un bon visionnage et on se retrouve juste après. Gentlemen, as Gino Bambino reminded all of us, this is a six-man match. But only two contestants will advance. This is your first time teaming together. How do you think your collaboration is going to be buttoned up? Well, it's quite simple. Look. All I'm saying, if you guys want a shot at advancing, just follow my lead. I mean, look at me. I'm pretty much guaranteed to go to the finals, go to Atlanta, and go to the Nightmare Factory. So all you guys, both of you, just follow my lead. Well, I guess I'll see you at the finals. They're gonna fight in their own team. Ils vont se battre entre eux autres avant que ça commence. Habituellement, je fais équipe avec personne parce que j'ai besoin de personne. Mais aujourd'hui, j'ai accepté de faire équipe et on va gagner ce match grâce à moi. Et au bout du compte, je serai le seul à aller en finale de la Lutte Academy. Ils sont déjà en train de se battre, ils sont dans la même équipe. They need a manager. Work together. Find water. Se sont enfargés. Ah, voilà. Ce petit Mathis Taylor, il est acrobate, hein? Ouais. Vous allez voir ça. Et Will Webster, ben lui, il aime le whisky. OK. The three of you are commercial for an energy drink. Now, before we get started, I think it's worthy of note that Artie Quick is a second generation wrestler in Quebec, and many at Lutte Academy have stood across the ring from his father, Talosh Le Clown. Did he say Talosh? Son père, c'était Talosh Le Clown dans mes spectacles familiales. C'est une deuxième génération, lui. You guys have the speed, the quickness, and the youth.
the power advantage, many are saying, goes to your opponent. How are you going to balance power and speed? Power? We got our man for power. I know that just because there's snow on the roof doesn't mean there's no fire in the furnace. Mm-hmm. And I also, this is dead honest truth, Vu que son manque d'expérience, il tient le micro loin. Ouais. On n'entend rien, voilà. Exact. My friend Dean passed away last week, and this match is for you, Dean. C'est un gars, World War II, qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais que le monde l'aime beaucoup. Il est bien sympathique. On voit ce que Mathis a fait quand même d'aller chercher la tête. Lui, Mathis May, l'acrobat. I'm sorry, but I think we're ready to go. Hardy Quick! Brody McDonald, let's rock this play! Mathis May, c'était un de ses élèves dans mon école de lutte. Okay. C'est une petite boule de feu. Et il est avec des vétérans dans la reine, les trois gars là, qui sont bons des autres. Ça va être assez malade, ça. Là. J'ai ça vraiment hâte d'avoir ça. Pour les déclasser, ça va être toi, très là. Dur. Is he going to wrestle with that dress? Is that legal to wrestle with a dress? Hey. On parlait de supplément tantôt. Est-ce que tu m'as ramené de l'eau, s'il te plaît? OK, je pensais qu'on a un cadeau pour nous soudoyer. Ouais, c'est ça. Well, I'm sure you're tellement drôle. Work together, guys. Work together. Première erreur, il s'était trompé de coin. Ouais. On leur donnait moins un dans mon pointage. Je pense qu'ils sont trompés de partenaire aussi. Mais j'ai bien hâte de voir l'exécution, la perfection des exécutions. Ouais, c'est quand même assez pesant là, de côté gauche. Là. Ces gars-là, ils ont du poids. Là. Et le poids est à bonne place. Ouais, en plus. Mais lui, il est agile. Là. Oh! Et c'est parti! Look at the power! Oh! Tu parles pas beaucoup, Jean! J'aime la réaction de Mathis Mir là-dedans. Exact, c'était bien reçu. Oui. Oh! Oh! Très impressionnant. Oh, oh, oh! Whoa. La force brute! Ouais. Wrong place, wrong moment! Oh! Oh! Un petit peu acrobat de rein. Pas de chez toi. Hein? Oh! Quelle passe! Oh! Wow! C'est très bien! Mathis Mir à son meilleur! Ouch. Oh! Oui! Oh! Oh, come on, ça va être dur, ça va être dur. Oh! Vend bien la foule après. Deux beaux moves de Hardy Quick. Hein? C'est un jeune, pas beaucoup d'expérience, mais très précis avec ses deux premiers moves. Bravo! Et tout de suite, allez... Faire réagir la foule, c'était vraiment bon de sa part. Oh. La confrontation est intéressante maintenant. Oh. Même s'il y en a un qui est capable de jouer rough, je vous le dis. Oh! Oh! Oh. Oh. Démonstration. He's making a mistake. He's making a mistake. Oh! Oh! Je vais pas te faire pogner deux fois de même. Wow! Ouais! Ouais. Très bien fait. Oh! Oh, il y a l'action là.
Bon, l'arbitre va perdre le contrôle là. Wow! Où regarder? Ah, c'est oui, ça l'affaire! Oh oui! Oh wow! Merci. Oh! Oh, pas un coup manqué. Oh! Il va, ça va coûter cher d'avoir manqué ce plongeon-là. Oh! Il y a de l'action. Oh oh! Oh my ça god! Il y en a un en plus. Oh il s'en va de faire ce que je pense qu'il va faire. Non, 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 non. Oh my god! Non, 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 la foule adore! Wow! La foule a adoré le move de Will Wexler. Quel début de combat! Bravo! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Les gars sont organisés sur le bord des bons. Ouais. Puis je te dis, sur le bord des méchants, là, ils sont mieux de commencer à penser de travailler c'est ensemble. Clair. La foule adore. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Oh, wow! Hey, il y a beaucoup de talent dans le ring en ce moment. Pas de photo! Pas de photo! Ouais, tu vas faire ce que tu veux, tu vas retourner chez vous. Oh! Ah. Bjorg est automatiquement disqualifié dans mon livre à moi. On va rentrer l'autre dans le poteau là. Il va rentrer dans le poteau. Ça fait pas partie des consignes. Ça fait pas partie des consignes. C'est incroyable. Le match va être très difficile. C'est un manque de discipline que je n'accepte pas. On l'a vu, on l'a vu. Et là, il va falloir choisir deux parmi tous ces lutteurs-là. Ouais. Oh mon Dieu. Moi, j'ai commencé à mettre des points parce que j'y arrive pas. C'est trop incroyable. Ouais. Ils sont incroyables. Ils sont juste trop hauts. Les gars réussissent à les garder dans le coin. Bouge pas. Trop loin de l'autre bord pour pouvoir placer. Frappe sur le genou, travaille le genou. Lui, je l'aime bien, mon gars. Ouais. J'aime son travail, j'aime ses, son charisme. Et... Ça va être bien dur de juger. Ça va être très difficile d'en choisir seulement deux. Ouais. These guys are very smart. Keeping the man in their corner. Il devrait être disqualifié. En tout cas, les vilains sont en train de donner des bonnes volées au bon petit gars. Wow. Comment il va réussir à sortir de là? Il va y arriver, il va y arriver, c'est sûr. Oh! Jawbreaker! Jawbreaker! Oh my goodness! Il a inversé. Oh my c'est goodness! C'est incroyable! Oh! Oh! What a close bien line! Éjecté. Ah, il est incroyable. Main has to tag. Brody m'impressionne. Ah, il était incroyable.
C'est juste incroyable. Oh! Oh! Oh, méchant belle shot. Il y en a dedans, le petit ouais. Il y en a dedans. Vraiment, des qualités athlétiques. Oh! Wow! Oh! 1, 2, 1, 2. C'était déplacé, l'arbitre. Très belle. L'arbitre s'est déplacé. Mathis Meyer a gagné beaucoup de points. Ouais. Moi. On voit qu'il y a un potentiel incroyable. Oh! Très bien fait. Beau move de Chris Dillon. Beau move de Chris Dillon. Oh! Oh! Beau move. Oh! Oh! Oh my God! Oh! My God, il commence à travailler en équipe, c'est toi, gars-là. Vraiment. Oh! Bien fait! Bien fait! Bien fait! Pas assez, bien pas fait! Tout, pas, tout. Beaucoup de talent dans le ring c'est en ce moment. Impossible. Oh! Oh le coup, ça c'est clair! Oh! Oh! Ça c'est dur, ça. Oh! Oh! Bien fait. J'adore Chris Dillon. J'adore. Wow. Oh, bon. Quel match. Quel ça combo. Ça n'a pas de bon sens. Quel combo. Incroyable. Comment décider. What a c'est match. Qui what doit a se battre. Ah, l'arbitre a vraiment perdu who's contrôle. The ref lost his control. We need to start the whole match over again. What a match. On dirait moi que mes enfants après l'Halloween. Perdu le contrôle. Tout de suite. Mais vraiment, là, ça va être dur à décider. Wow, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Oh, il attaque la jambe. Il attaque la jambe de Will Webster. Puis il lâche pas d'attaquer la jambe à Will Webster. Ça, je trouve que c'est une belle technique de toujours s'attacher, de s'attaquer au même membre de corps. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas, mais ça s'annonce pas bien. Le gars dans le centre. Ça s'annonce pas ça bien. Ressemble. Oh non, ça va faire mal. Oh, oh, une non. Souplesse du troisième corps. Une souplesse du troisième corps. Sur le dos de son chum. Bon, ça s'est arrêté. Oh! Oh! Très bien fait. Nice. Oh, très shot beau aussi. Je sais plus où regarder. J'en ai manqué une à droite. Un cutter sur l'apron. Hey, qu'il y a beaucoup de... Hey, ça va être difficile d'en choisir seulement deux. Il y en a plein que je veux revoir. Oh! Oh! Ça, les gens sur YouTube ont pu le sentir. Wow! C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mon Dieu Seigneur. Une double souplesse. Double souplesse. Une double souplesse. Une double souplesse. Oh, non, 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 non. Une double souplesse. Oh, Will Webster. Oh, Will Webster va aller pour le pas, c'est ça? Il va les prendre les deux. Oh! Oh! Bravo! Qui souffle le plus là-dedans? Ça doit être Mathis Meyer. Ouais. My God! I think you broke the ring! Incroyable! Incroyable l'action dans ce combat-là. Très bon combat. Incroyable, incroyable. This is just amazing. Ouais. I'm impressed by all I'm the talent. I'm so impressed. I'm impressed by all the talent. Wow. Okay. What will happen now? Okay. Will Webster, who's legal in the ring? Yeah, that's the thing. Who's legal in the ring? Paul Arbetti. Björk, il manque d'expérience, Björk. Oh. Björk, il manque d'expérience. Oh, incroyable, non. Oh. Oh! Oh! Eh, bon. Il tient l'arbitre! Oh! Il se tient après l'arbitre! Il se tient après l'arbitre pour faire un low blow. Oh! Oh! Ça, c'est malade. Oh mon Dieu! And your winners, Abel Vanya! Et ça va être Bacon, Stephen Mays and Dylan! Comment tu veux pas gagner ça? Comment décider? Look at the shape of the
Wow! Hey! Pour vrai, là, on pourrait en envoyer facilement 4 ouais. en finale. Là. Faites vos choix pour 2, les gars. Ouais. Ça va être très difficile. C'est exactement, on vient de se pointer les mêmes choix. Moi, je dois dire que j'ai adoré le potentiel des qualités athlétiques de Mathis. On le voit que c'est un diamant brut, comme on a parlé tantôt. Il fait déjà des manœuvres incroyables. J'adore la forme physique de Steven Mains. On le voit que c'est un lutteur différent des autres. Son personnage de fraîchier, il l'assume dès le départ. Il a des qualités athlétiques. Moi, je trouve qu'ils ont un énorme potentiel. J'adore les autres. J'adore Dylan. Mais Dylan ne m'a pas démontré, à part son finish, il ne m'a pas démontré quelque chose qui était tant différent de beaucoup de lutteurs qu'on peut voir déjà sur le circuit. Ben, moi, mes deux choix seraient Mathis et Steven. Mais vraiment, eux, Mathis, Meir et Steven. Et ouais. Toi, Martin? Well, me, I like all of these guys. Raphael really surprised me. Mathis has great talent. A lot of great talent. But to me, the best on that card was Mains and Dylan. They were the best. Mains et Dylan. From the point I have put on my, because like it was, c'était trop difficile pour moi de choisir, fait que je regardais pour les points, comment est-ce que t'étais charismatique, comment est-ce que t'étais extraordinaire aussi, comment ils gagnaient la foule, puis la manière dont ils faisaient leur technique, ainsi de suite. Fait que j'ai mis des points sur qu'est-ce que j'avais. Ce que j'ai, c'est ex-equo trois personnes. J'ai Mathis qui m'a surpris extraordinaire par sa rapidité, son efficacité, comment est-ce qu'il réussit à être dynamique dans le ring. Bien sûr, Steven est juste extraordinaire. Il a la shape pour aller aux États-Unis, il a le charisme pour y aller, réussir avec la foule et tout ça. Et puis, Dylan Davis est juste extraordinaire. Fait que c'est très difficile pour moi de choisir. Ils sont excellents, toutes les trois, dans mes choses. Fait que je vais te laisser, Jacques, trancher tout ça. Moi, c'est les trois jeux. Il y a une chose qui est certaine, c'est que j'envoie Mathis Meir. Mathis Meir, à cause, il m'a surpris au-delà de ce que je m'attendais. C'est vraiment un diamant dans le rough. Je crois qu'avec des conseils, il a suivi des conseils que j'avais donnés en plus. J'avais dit de valoriser ses adversaires, ouais. De prendre son temps. Il a tout fait ce que j'ai expliqué. Il a bien vendu. C'est un bon élève. Et puis moi, je vais être obligé d'aller avec Dylan Davis aussi. Fait que je pense que c'est Dylan Davis. On a trois Dylan Davis, je crois. Et on a toi, tu avais Dylan Davis. Dylan puis Mains. Moi, j'ai Dylan. Fait qu'on va être obligé d'aller avec Mathis Meir et Dylan Davis. Mais Mains, je l'aimais beaucoup aussi. Malheureusement, j'ai trouvé que Dylan Davis, c'est un gars qui, je sais pas, il est venu me chercher son personnage. We don't have to wait for the judges. Mais Mains aussi, je l'adorais. I'm already deciding that I'm the one winning this. So just announce my name. Come on, let's go. Y aller, ça va être difficile. Ouais, c'est très difficile. C'est crève-cœur. C'est toi le vote qui tranche. All the night. Ah, t'es... Like, it's been very, 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 very difficult to choose only two out of these first guys. First of all, you unfortunately, all the judges, me. You know, were you different votes, but I'll put your hands together. On the ref, and you these are the two names that came out the most. Yeah. 3 months, we wrestle clean. We are the real wrestlers around here. Ça continue, ça continue. Ça va repartir. J'adore ça, la passion. Gentlemen, I have the judge's decision. Let's go, Atif. The two performers who will be advancing to round four, the final round of the first ever Lutte Academy. Congratulations to Mathis Meir and Dylan Davis. C'est crève-cœur. Des bonnes confrontations. C'est incroyable. Et je veux faire une mention spéciale à Brody avec son blond. Bon.
Comme tu as pu le voir, ça s'est pas terminé comme j'aurais voulu que ça se termine. J'ai malheureusement été éliminé de la compétition à cause de la projection dans le poteau. J'ai projeté quelqu'un dans le poteau et c'était interdit. Et pour moi, c'est clairement pas une raison valable pour une élimination parce que à aucun moment ça a été spécifié. Parce que pour te résumer, c'était un show considéré comme un show familial et tout ce qui concerne les gestes déplacés et l'utilisation des armes, comme des chaises par exemple, c'était interdit. Mais ça, je le savais, j'étais au courant. Mais jeter quelqu'un dans le poteau n'a jamais fait partie de cette catégorie là parce que le poteau n'est pas vraiment considéré comme une arme. Donc je t'avoue que je reste un petit peu sur ma faim à ce niveau là. Mais bon, maintenant c'est fait, je suis pas là pour faire des polémiques parce que c'est clairement pas le but de cette vidéo. Je voulais tout simplement t'expliquer les raisons de mon élimination. J'ai quand même pu malgré tout participer à la finale parce que oui, au moment où je te tourne cette vidéo, la finale est déjà passée, c'était hier d'ailleurs, mais c'était un combat en dehors de la compétition, c'était un peu comme un dark match si tu veux. Et je tenais quand même à être présent pour ce combat parce que le head coach de la AEW, QT Marshall, regardait le show en live et ça reste très intéressant pour le côté visibilité. Et j'étais dans un match 4 contre 4 et je t'avoue que j'aurais préféré être dans un match 1 contre 1. Parce que, ben voilà, dans les matchs 4 contre 4, tu as beaucoup moins de temps de présence dans le ring et donc tu peux te mettre moins en avant. Mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même un match intéressant. Et d'ailleurs, ce match, je vais te le diffuser ici sur cette chaîne YouTube. Et normalement, ça devrait être publié dans 2 semaines si tout se passe bien. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et que tu as aimé le match. Et si c'est le cas, ben n'hésite pas à me le laisser savoir en mettant un like si tu veux me soutenir. Mais aussi en partageant et en t'abonnant pour ne rien rater de la sortie de mes future vidéo. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !